Le jeu Arlecchino est un jeu de Bernard Tavitian, l'inventeur du jeu Blocus. Arlecchino comporte une planche de jeu de 36 cases et 36 pièces divisées en 4 zones de couleurs. Donc, chaque joueur dispose d'une couleur et le but du jeu est d'essayer de conserver le plus de zones de sa couleur sur les pièces restantes à la fin de la partie. Donc, avant de débuter la partie, on prend toutes les pièces, on les met sur la planche, sur la table. On les mélange et on les place sur la planche de jeu de façon aléatoire, de façon à avoir une configuration de pièces différentes à chaque partie. Ensuite, on retire la pièce noire et blanc qui ne fait pas partie du jeu. Il y a deux types de déplacements. À chaque tour de jeu, les joueurs à tour de rôle doivent déplacer une pièce qui comporte une zone de leur couleur. Donc, le joueur bleu peut déplacer n'importe quelle pièce qui a une zone bleue sur sa pièce. Et s'il y a deux zones bleues, il peut faire deux déplacements. S'il y en a trois, il peut en faire trois. Et s'il y a quatre zones, il peut en faire quatre. Il y a deux types de déplacements. Les déplacements se font toujours de façon horizontale ou verticale. Il n'y a jamais de déplacement en diagonale. Un déplacement peut être tout simplement se déplacer sur une case adjacente, à l'horizontale ou à la verticale, ou en faisant un bond par-dessus une pièce, et de cette façon, la pièce qui a été sautée est retirée du jeu. Donc, à chaque tour de jeu, il va y avoir au moins une, deux ou trois pièces, et parfois même quatre, qui vont être retirées de la planche. Et à la fin de la partie, c'est celui, comme je l'ai déjà dit, qui a le plus de zones de sa couleur sur les pièces restantes qui gagne la partie. Une règle importante à retenir, c'est qu'il est interdit de revenir à sa case de départ. Par exemple, si je joue la pièce bleue ici, je fais un bond, je capture la pièce, je peux continuer à faire d'autres déplacements, mais je ne peux pas revenir à ma case initiale de départ, à moins que ce soit avec une pièce avec quatre zones de couleur. Et à ce moment-là, la condition, c'est que je fasse quatre bonds. Si je fais quatre bonds, à ce moment-là, je retire quatre pièces de la planche de jeu. Et je peux revenir à ma place initiale de départ. Voilà, si on joue à quatre joueurs, on a chacun une couleur. On joue toujours dans le même ordre, bleu, jaune, rouge, vert. Et si on joue à deux joueurs, le joueur bleu a aussi les pièces rouges et le joueur jaune a aussi les pièces vertes. Et on additionne les deux couleurs à la fin de la partie pour le total des points.